J'ai terminé mon doctorat, ma thèse sur l'immigration haïtienne au Québec en 1983. Et je me considère comme partie des happy few, chanceux qui, doctorants finissant, au début des années 80, ont eu la possibilité d'avoir un emploi à plein temps, finalement, et tout de suite, presque immédiatement après ma thèse de doctorat. Alors, j'ai commencé à travailler déjà donc à l'automne 1983 à la Direction de santé publique de Montréal. En fait, à l'époque, qui s'appelait les départements de santé communautaire, en fait, il y en avait 7 à Montréal, et moi, je travaillais au département de santé communautaire de Verdun, qui couvrait, en fin de compte, il couvrait des territoires. En l'occurrence, c'était le territoire du sud-ouest de Montréal, ce qui est actuellement Verdun, Ville-la-Salle, Ville-et-Mort, Saint-Henri, enfin, cette section-là. Le mandat d'un département de santé communautaire est de la santé publique, afin de mettre sur pied des programmes de prévention et de promotion de la santé. Alors, quand j'ai terminé ma thèse, donc, il y a ce poste qui s'ouvre, je postule, et on est dans une époque vraiment fantastique en santé publique au Québec. C'est l'âge d'or de la santé publique, qu'on appelle santé communautaire, d'ailleurs. Je travaille dans un département de santé communautaire. Et un peu plus tard, en 1994, il va y avoir une réforme et ces départements-là vont devenir des sections d'une direction de santé publique à Montréal. Santé publique qui va signifier aussi un retour à une médicalisation de la prévention et de la promotion de la santé. Mais à la fin des années 70, il y a quand même là, toute l'émergence de nouveaux mouvements de santé communautaire qui s'ouvrent à d'autres problématiques. Bien sûr, on est toujours d'accord avec la prévention. Mais alors qu'on s'intéressait surtout aux maladies infectieuses, les maladies infantiles, l'allaitement maternel, des choses comme ça, en santé publique, là, la santé communautaire, c'est-à-dire le champ d'expertise va s'élargir. On va s'intéresser à des problématiques de santé sociale, de santé mentale aussi, et bien entendu aussi de santé physique. Alors, il y a de façon philosophique une nouvelle approche aussi. Bien sûr, l'éducation à la santé est importante. Bien sûr, il faut faire de ce qu'on appelait l'éducation sanitaire. Ça demeure toujours pertinent. Si on veut faire de la prévention, bien, il faut informer les gens, il faut éduquer les gens, en particulier à des saines habitudes de vie et aux dangers qui sont reliés à certains comportements à risque, bien entendu. Mais derrière la notion de santé communautaire, il y avait vraiment cette notion d'ancrage des problèmes de santé dans la communauté. La communauté est le lieu d'ancrage de tout ce qui se passe. C'est dans la communauté que les gens, d'abord, se reconnaissent comme étant malades, quelque part. C'est les membres de la famille, les voisins, etc. Les critères du normal et de l'anormal sont construits dans la communauté. Les facteurs de risque, le chômage, les problèmes de logement, la violence dans certains quartiers, ça fait partie aussi de cette vie communautaire. Et les conceptions qu'on se fait de ce qu'on mérite comme soins de santé ou comme services de santé, c'est aussi beaucoup défini par la population. Alors, la santé communautaire va donc investir ce champ-là. On va y développer, dans la foulée aussi, de façon plus globale, il y a une nouvelle approche qui va se développer en épidémiologie, qui est l'épidémiologie socioculturelle, où au lieu de chercher simplement des causes physiques ou psychiatriques à des problèmes de santé, on va chercher des causes sociales. Et là, pendant d'ailleurs toutes les années 60, aller jusqu'à les années 1980, il va y avoir vraiment un engouement pour des facteurs de risque de type isolement social. Est-ce qu'un individu qui est isolé socialement dans sa communauté, qui est tout seul, en fait, qui n'a pas à sa disposition beaucoup de personnes ressources pour l'aider en cas de besoin, est-ce que cette personne-là n'est pas plus vulnérable et à risque qu'un autre? Alors, isolement social, intégration sociale, participation sociale, participation de l'individu à la vie communautaire, à la vie de sa société, de sa commune, de son quartier, ça devient des facteurs de risque importants. Donc, dans la prévention, ce qu'on va mettre, sur ce qu'on va mettre l'accent aussi, c'est la lutte à l'isolement social.
Par exemple, dans les programmes de prévention des abus et négligences envers les enfants, ou simplement dans les soins de santé maternelle et infantile, en prénatal et en postnatal, on va s'assurer, on va s'intéresser en tout cas aux familles, par exemple monoparentales, où il n'y a pas de conjoint disponible. Alors, il y a des familles monoparentales qui ont beaucoup de soutien de leur famille proche, des sœurs, des tantes, des voisines, mais on se rend compte que dans certains quartiers, il y a des gens qui sont vraiment tout seuls, soit parce qu'ils sont dans des communautés migrantes ou soit des Québécois d'origine, mais dont les parents viennent de Gaspésie, de l'Abitibi ou même de Québec, etc. Et donc des jeunes mères qui se retrouvent à Montréal un peu seules, sans avoir vraiment accès à la famille, au soutien de la famille, et n'ayant pas un très grand ancrage non plus dans la communauté, ben là, évidemment, le réseau de soutien social n'est pas tellement là. Alors, cette nouvelle épidémiologie socioculturelle-là essaie d'établir des liens entre le degré d'isolement social de quelqu'un et ses problèmes de santé physique, mentale ou sociale, hein, toxicomanie, violence, décrochage, etc. Alors, on est dans ce contexte-là. Et dans les départements de santé communautaire, donc, dès la fin des années 1970, on commence à embaucher des gens de sciences sociales. Alors que historiquement, on n'a que des infirmières et des médecins. Alors, c'est des sociologues, des démographes, des anthropologues aussi. Moi, j'ai été un des premiers anthropologues à être embauché dans les départements de santé communautaire, sinon peut-être même le premier. Mais il y avait déjà des sociologues qui étaient là et des psychologues aussi, psychologues sociaux, qui étaient sur place. Et on est donc dans un contexte où il y a une socialisation du rapport à la santé. L'accent va être mis beaucoup plus sur une prise en charge de la communauté et un renforcement de la capacité des communautés locales à se prendre en charge et par le biais, entre autres, de l'entraide et du soutien, hein, social que des membres de la communauté peuvent donner. Alors, il va y avoir une série de recherches dans lesquelles je vais travailler. En particulier, on va s'intéresser à des problématiques comme bon, l'isolement social chez les jeunes familles. Et on va mettre sur pied, on va travailler d'ailleurs en combinant des volets recherche-intervention et des volets recherche plus pure, par exemple, travailler à mettre sur pied des réseaux d'entraide maternelle. Réseaux d'entraide, donc de jeunes femmes dans des quartiers, qu'on va tenter de mettre en lien les unes avec les autres en disant, bah, regarde, tu es une jeune mère d'un bébé de 2 mois, ton bébé a peut-être des coliques, enfin, des problèmes quelconques, ou toi-même, tu sais, des symptômes de dépression passepartout, et tout ça. Alors, il y a d'autres jeunes mères dans le quartier qui sont disponibles pour discuter avec toi, si tu veux. Et c'était le genre d'intervention qu'on faisait. On mettait sur pied des réseaux d'entraide de jeunes mères. On se contentait de mettre ces jeunes mères-là en contact les unes avec les autres, dans des réunions, dans des salles communautaires et tout ça. Et généralement, c'était des infirmières ou des travailleurs sociaux, mais beaucoup des infirmières en postnatal qui travaillaient à ce moment-là. Il faut se rappeler qu'à l'époque d'un Québec qui n'est plus ce qu'il est aujourd'hui, il y avait des CLSC, des centres locaux de services communautaires, et il y avait beaucoup d'infirmières et de travailleurs sociaux, de psychologues, etc., qui étaient là-dedans. Alors que maintenant, bon, avec notre ministre hyper médicalisant, ben là, évidemment, tout ce volet-là social et communautaire est en train de péricliter. Bon, ça avait commencé avant lui, mais là, pour finir le boulot, là, il n'y en a pas deux comme notre ministre de la Santé actuelle pour faire ça. Mais donc, il y avait une philosophie d'intervention qui n'excluait pas l'intervention médicale, bien sûr. Si on parle de vaccination des enfants, ben c'est des vaccins. Donc, c'est des produits pharmaceutiques et c'est un geste, un acte médical, bon, posé par une déléguée à une infirmière, où le médecin peut le pratiquer. Mais ce volet-là demeure. Mais la santé communautaire au Québec va se développer avec un souci pour un ancrage. Il y a une participation des gens des quartiers dans lesquels ils sont impliqués. Alors moi, étant au DSC Verdun, donc c'est toute la section, le territoire du sud-ouest de Montréal, là, donc, qui va être concerné par ces gens-là. Il y a un projet de recherche, intervention sur lequel j'ai travaillé, qui m'a occupé pendant des années, je dirais 4-5 ans certainement, qu'on a appelé le projet de la visite. Alors, c'est toujours, mais maintenant, bon, c'est un travail qui se fait auprès des jeunes parents, essentiellement même monoparentales, parce que c'était peut-être là qu'on avait parfois le plus de problèmes, mais pas exclusivement, mais en tout cas des jeunes parents certainement. Et on était dans une logique de projet d'intervention visant la réduction des abus et des négligences envers les enfants, envers les jeunes enfants.
On est à l'époque de la loi de la protection de la jeunesse qui est mise sur pied, etc. Il y a un souci, une préoccupation pour ces problématiques-là. Alors, moi et deux autres collègues qui travaillaient, sociologues d'ailleurs, mais qui travaillaient dans d'autres départements de santé communautaire de la région de Montréal, on s'est regroupés pour faire un projet de recherche conjoint qui visait à faire l'évaluation d'une stratégie de prévention, stratégie d'intervention préventive auprès des jeunes mères dans les problématiques de donc abus sexuels, abus physiques et négligence envers les enfants. Alors, on s'est inspiré un peu de certaines choses qui se faisaient aux États-Unis, un peu en Australie, mais c'était des modèles d'intervention basés sur des intervenants non professionnels, mais qui ne collaient pas tout à fait à la réalité québécoise, parce qu'on avait nos CLSC, nos visites prénatales, nos visites postnatales, ce qui n'était pas nécessairement le cas ailleurs. Donc, on a concocté une intervention originale qui consistait donc à prendre des mères de famille. En gros, il y en avait six qui ont fait besoin d'intervention, mais il y a eu un petit roulement, mais il y en avait au moins en permanence six, dans un projet d'intervention expérimentale sur 18 mois qui était mandaté pour faire des visites à domicile et donner d'une disponibilité à des jeunes mères et des jeunes pères dans les quartiers où elles habitaient. Alors, on les a appelées des mères visiteuses. Alors, ces femmes-là étaient des femmes du quartier, sans aucune formation académique particulière, là. On demandait simplement qu'elles aient une expérience de mère et qu'un peu de bon sens, et puis que, bon, le reste, mais ce n'était pas ni des infirmières, ni des travailleuses sociales, ni quoi que ce soit. La plupart avaient à peine une formation de niveau secondaire. C'était vraiment des femmes de milieu ouvrier, milieu populaire, qui intervenaient auprès de jeunes mères dans un milieu populaire et qui mettaient de l'avant leur expérience à elles, de mère, finalement, comme telle. Alors, évidemment, on a fait financer, je dis évidemment, mais ce n'est pas évident, on a fait financer ce projet-là par un programme de recherche en santé publique au niveau québécois, et on a obtenu une subvention qui était quand même, pour l'époque, là, très conséquente là, pour ce volet-là. Sauf qu'on est encore à une époque où les méthodes qualitatives ne sont pas vraiment reconnues. On considère que ce n'est pas fiable. Et évidemment, nous, notre objectif était de démontrer, enfin, d'évaluer l'efficacité réelle de cette intervention-là auprès des jeunes mères. Et en se disant, bien, si on est capable d'en démontrer l'efficacité, à ce moment-là, on sera capable de faire des recommandations en disant, bien, il faudrait peut-être voir à élargir cette implantation-là. Alors, on a développé aussi, pour s'assurer l'obtention des fonds, un devis d'évaluation quantitatif, mais là, vraiment conséquent. Alors, un devis, ça s'appelle le devis de Salomon, un devis expérimental extrêmement rigoureux, avec un groupe expérimental et un groupe contrôle, et même un groupe témoin. Alors, un groupe expérimental qu'on divise en deux, moitié du groupe expérimental-là reçoit, bon, on sélectionne des jeunes parents avec des jeunes enfants, dès la naissance de l'enfant, à partir des fiches de naissance que les hôpitaux nous fournissaient. La mère visiteuse prend un premier contact avec ces femmes-là et dit, bien, écoutez, moi, je vous offre voilà mon numéro de téléphone. J'habite tel endroit. Si vous avez besoin de discuter, d'échanger, d'informations, ben je suis disponible. Et c'était ça. Et dans ce groupe-là, on avait divisé en fonction de quartier. Et l'intervention se faisait dans trois régions de Montréal. Il y avait le sud-ouest de Montréal, un quartier l'est de Montréal, l'ouest de Montréal, c'est-à-dire à la Chine. Le secteur de la Chine, enfin de la Chine actuelle, et un en Montréal-Nord, enfin, le secteur nord de Montréal. Trois quartiers très différents au plan sociologique, c'est-à-dire quartier bon, Verdun, Ville-la-Salle, etc., un quartier vraiment caractérisé par des réseaux de soutien social très forts, des gens dont les jeunes mères étaient nées dans ce quartier-là, ils avaient des pères, leur mère, leur tante qui habitaient là. Ville-la-Chine, qui est un quartier intermédiaire, et Montréal-Nord, qui est un quartier qu'on considérait anomique, c'est-à-dire un quartier de gens transitoires, tu vois, qui passaient là quelques années, repartaient ensuite. Donc, les gens qui étaient là étaient beaucoup plus isolés socialement. Donc, on voulait tester cette intervention-là, ce qu'on a fait, avec un devis quantitatif, là, avec des échelles de mesure. On essayait de voir si l'intervention, on passait des questionnaires, ce qu'on appelle des mesures pré-test. Des questionnaires sur l'estime de soi, sur la compétence parentale et sur l'isolement social de ces mères-là.
Et on passait les questionnaires avant l'intervention pour celles qui acceptaient de faire partie du projet. Et après les 18 mois d'intervention, on revoyait les mères, puis on voyait est-ce qu'il y avait des scores finalement qui avaient bougé sur ces. On parle d'échelle quantitative, là, hein, de mesure. Et on a greffé à ça un devis d'évaluation de recherche qualitative, mais là extrêmement sophistiqué, basé sur des entretiens en profondeur avec les mères visitées, des entretiens en profondeur régulières tout au long, presque une fois par mois, avec les mères visiteuses, les intervenantes en question. Couplé à ça, en cours de projet, des études de cas qu'on faisait avec, sur une famille donnée ou deux, trois familles données, avec les infirmières et les travailleurs sociaux du CLSC, qui étaient impliqués auprès de ces familles-là dans les services de postnatal, et avec évidemment les responsables de la recherche, et il y avait une coordonnatrice à l'intervention aussi qui faisait partie de ça. Et on avait pour chacune de ces familles-là tout le détail de toutes les interventions qui avaient été faites, les téléphones qu'on faisait, les visites à domicile qu'on faisait, etc., les objets de la visite, quel était l'objet du téléphone, de la demande de service, quel genre de service on offrait, et toute une analyse contextuelle des limites à l'intervention qui se présentait dans chacune de ces familles-là. Un immense projet de recherche au plan méthodologique qui est probablement, je pense là, mais vraiment, un modèle à suivre. Ben, à suivre. Oui, méthodologiquement, un modèle à suivre. On ne pouvait pas imaginer une méthodologie plus complète et sophistiquée que celle qu'on avait là. Bon, si on admet, par exemple, qu'on est prêt à attendre 4 ans avant d'avoir les résultats d'une intervention, qui elle-même est sur 18 mois, plus les temps de compiler les données, analyser les données, et on a rédigé 6 rapports, 6 volumes de rapports de cette recherche-là. Et puis on a publié évidemment des résultats aussi dans des revues, là, avec mes deux collègues, là, comme tel. Alors, ça a été un projet extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant aussi, mais qui était vraiment, je le mentionne, j'ai travaillé sur plusieurs autres projets, mais je le mentionne parce qu'il était vraiment dans la philosophie de la santé communautaire de l'époque. Au moment d'ailleurs où le Québec était reconnu vraiment comme un chef de file international en santé communautaire, plein de gens qui intervenaient en santé communautaire étaient invités partout aux États-Unis, en Europe, partout, à faire des conférences, à exposer des projets. Moi, bon, ce projet-là était sur les abus et négligences. Alors, j'avais été invité, entre autres, à un congrès international de l'International Association for Child Abuse and Neglect, Prevention of Child Abuse and Neglect, où j'étais allé. J'ai présenté les résultats donc, positifs de cette intervention-là. Bon, j'ai pas le temps, je ne peux pas m'étendre trop là-dessus, mais disons que les résultats du devis quantitatif n'avaient pas donné grand-chose de probant, mais les résultats des devis qualitatifs, lorsqu'on avait des entrevues avec les mères visitées, lorsqu'elles faisaient le bilan de ce qu'elles avaient retenu, de l'aide qu'elles avaient obtenue des mères visiteuses, ces bilans-là étaient extrêmement positifs. Alors, donc, on a vendu, entre guillemets, ce projet-là par la suite. Certains CLSC lui ont donné suite, ont même financé une suite de tout ça. Et il existe encore maintenant une fondation qui s'appelle Fondation de la visite, qui continue à offrir ces services-là. Maintenant, les services sont aussi élargis. Il y a des pairs visiteurs maintenant dans cette fondation-là. Mais c'est un bel exemple de combinaison de recherche-intervention, hein, recherche-action, si on veut. Mais avec un devis, une recherche évaluative d'intervention, mais qui suppose une mise en application, même la conception d'une intervention adaptée au contexte québécois, et qu'on a donc mis en œuvre, évalué et ensuite vendu. Et bon, ben, les résultats de ça ont été publiés il y a près de 25 ans, et la fondation existe toujours, là. Donc, ça montre un peu comment l'anthropologue, parce que là, évidemment, moi, je suis anthropologue dans tout ça. Avec des épidémiologues, avec des psychologues qui sont aussi plus familiers avec les méthodes quantitatives et avec surtout des bailleurs de fonds, enfin les gens à qui on faisait les demandes de fonds en santé publique, qui ne jurent que par les méthodes quantitatives. Alors, c'est tout le défi là, maintenant de la cohabitation des méthodes qualitatives, des approches de terrain que nous on a, des entrevues en profondeur, des études de cas, des récits de vie. J'avais fait des récits de vie vraiment en profondeur avec certaines des mères. C'était des cas assez révélateurs. J'en ai fait des publications sur au moins une de ces études de cas-là. Mais il fallait toujours se battre. Et tout le temps que j'ai été en santé publique, donc de 1983, j'ai quitté en 1994, et puis le combat s'est poursuivi plusieurs années après, mais ça a toujours été justement un combat pour défendre la pertinence
De méthode qualitative, une méthode qualitative qui présuppose simplement qu'on donne la parole aux gens concernés par les problèmes. Puis à un moment donné, bon, ben, j'aurais pu faire, continuer ma carrière là-dedans. J'étais vraiment bien, bien positionné au niveau international et tout ça. Mais rendu au colloque à Sydney, en Australie, où je présentais les résultats de cette intervention-là, là, on annonce, c'est un colloque qui était, je crois, à l'époque biannuel, et le prochain devait avoir lieu à Rio de Janeiro, auprès des, la violence auprès des enfants dans les bidonvilles. Puis là, là j'ai réalisé que finalement, mais qu'est-ce que je vais aller faire, là, moi? Quand même, on a des milieux défavorisés à Montréal, mais ce n'est pas les bidonvilles de Rio. Ce n'est pas les enfants qu'on retrouve dans les décharges morts avec un rein ou un foie en moins, parce qu'on a fait des greffes ou le cœur qui manque. On n'en est pas là. Et là, je voyais toute cette, en fin de compte, cette association-là qui était essentiellement composée aussi de médecins. Alors, je voyais toute la médicalisation des abus et négligences envers les enfants qui étaient faits, avec des approches aussi strictement. Bon, enfin, je voyais donc des gens qui en faisaient une carrière. Et en fin de compte, le lieu où le colloque avait lieu ne comptait pas finalement. Et j'ai vraiment complètement décroché de cette problématique-là parce que je me suis dit, non, moi je ne ferai pas une carrière sur le dos des enfants abusés. J'ai continué à travailler au Québec un peu sur la problématique. Pour les Québécois, en fin de compte, tout le monde d'un certain âge va se rappeler d'un rapport qui avait été commandé à Camille Bouchard. Qui est devenu plus tard député du Parti québécois, mais qui était professeur à l'Université du Québec à Montréal, le ministère de la Santé qui avait commandé un rapport qui s'est appelé, le titre était Un Québec fou de ses enfants, qui a été publié en 1991, je pense, et où on faisait un bilan des connaissances sur les facteurs de risque associés aux abus et négligences envers les enfants et sur les interventions réputées efficaces. Toute l'information était là. Et je me disais, je peux faire une carrière, mais dans le fond, on sait quoi faire maintenant. C'est juste une question de volonté politique et d'investissement. Une question de volonté sociale, on ne réglera jamais tout, mais au moins de faire avancer ce dossier-là. Et qu'apporterait 10 ans supplémentaires de recherche qui reprendraient les mêmes échelles de mesure auprès de la même clientèle, ça n'apporterait pas grand-chose. Alors, j'ai décroché de ça. Mais voilà, ça c'est. Premier terrain d'anthropologue dans un milieu de santé publique médicalisé, bien couvert aux sciences sociales, mais où les gens de sciences sociales devaient vraiment se battre au quotidien pour défendre la perspective qu'ils avaient et défendre les outils méthodologiques qu'ils proposaient aussi, et les approches méthodologiques qu'ils proposaient. Un autre exemple a été un projet de recherche, j'ai travaillé dans plein d'autres affaires, mais un projet de recherche, c'était une demande qui avait été adressée par un regroupement de nutritionnistes à Montréal. Alors, elle voulait mettre sur pied un programme de prévention des maladies cardiovasculaires en faisant la promotion d'une saine alimentation, bien entendu, pour diminuer les consommations de gras, de sel et la surconsommation tout court là, chez les gens. Et là, on a une réunion comme ça, elles veulent parler avec des chercheurs pour voir comment, quel genre de recherche on pourrait faire là-dedans pour mieux documenter nos choses avant d'intervenir. Et ben moi, je dis, écoutez, là, les outils de mesure, avec les degrés de vie d'évaluation, etc., quantitatifs, ça ne vous apportera pas grand-chose de plus que qu'est-ce que vous connaissez. À mon avis, ce qui est plus intéressant, c'est d'aller voir la population elle-même. Nous, on parlait de population défavorisée dans le sud-ouest de Montréal. Allez voir comment les gens gèrent leur alimentation, qui fait à manger, on mange quoi, puis pourquoi, puis etc. Et là, je me rappelle, j'avais publié un texte à l'époque qui avait fait un petit peu du bruit, qui portait sur la fétichisation des méthodologies quantitatives en recherche évaluative. Et je disais, en fin de compte, que ça valait, c'était vraiment de la poudre aux yeux. Ces histoires-là, ça donnait jamais rien. Enfin, j'y reviendrai. Mais évidemment, les épidémiologues et les nutritionnistes, et ça, des anthropologues qui travaillent seulement qu'avec des anthropologues ne se font pas dire ces choses-là très fréquemment, mais ils disent, ben écoute, si tu es six mètres, toi, là, l'anthropologue, là, qu'est-ce que tu nous proposes concrètement? Qu'est-ce que tu peux faire comme recherche qui va nous aider vraiment sur le terrain? C'est quoi vos méthodes qualitatives? C'est quoi, est-ce que ça va résoudre tous les problèmes? Dans quelle mesure tu peux nous aider? Et ça, ben là, ça nous fait réfléchir. Là, c'est plus nous autres mêmes qui définissons nos problématiques en fonction de nos terrains, nos orientations théoriques, nos préoccupations conceptuelles et tout. Là, on se fait poser des questions très concrètes
par des intervenants qui ont besoin de matériel pour changer des choses dans la société. Alors là, bon, je recule un peu, d'accord, bon, voilà comment on peut faire. Et là, j'ai mis au pied, il faut inventer des méthodologies parce qu'il n'y a pas des méthodologies toutes faites, là, adaptées nécessairement pour ça. Alors, j'ai par exemple pensé de demander aux gens, avec des entrevues évidemment, donc ça a été des entrevues en profondeur qu'on a fait avec un échantillon de 400 quelques personnes dans les quartiers défavorisés de Montréal, où là on demandait aux gens d'élaborer un menu idéal pour eux, pour la santé. Les répondants, c'était souvent les femmes. Alors, vous avez une journée devant vous, vous n'avez pas de problème de temps, vous n'avez que ça à faire, vous n'avez aucun problème de budget et vous n'avez aucune restriction, là. Qu'est-ce que vous allez donner à manger du matin au soir à votre famille qui serait bon pour la santé? Et là, les nutritionnistes sont tombés en bas de leur chaise quand on a analysé les réponses, parce que là, on était plein de pizza, puis de grands steaks, et puis des frites, et puis etc. Bon. Et là, évidemment, l'écart par rapport aux propositions du Guide alimentaire canadien, mais là, ça n'avait plus aucun rapport et tout ça. En même temps, je me suis dit, oui, mais pourquoi les gens mangent ces éléments-là? Pourquoi les gens ne mangent pas certaines choses? Alors, j'avais pensé à une méthode de la triade. J'avais mis sur des fiches des noms d'aliments. Exemple, du pain brun sur une fiche, pain blanc sur une autre fiche, puis je sais pas moi, steak haché, bœuf haché sur une autre fiche. Les gens, ils pigeaient les fiches, ils pigeaient trois fiches. Je leur demandais de mettre ensemble celles qui allaient ensemble et l'aliment qui n'allait pas avec les autres, pour aller chercher la charge symbolique derrière qu'il y avait de tout ça. Et là, les gens disaient, bon, je ne sais pas, pain blanc et lait, mettons, versus telle autre chose, on les met ensemble, pourquoi? Ben écoute, le pain blanc, c'est un aliment pour femme. Le lait aussi, c'est un aliment pour femme. Puis le lait, ben, c'était un aliment pour enfants. Les adultes ne boivent pas de lait parce que c'est pour les enfants. Et là, on a fait toute une analyse comme ça de les principaux aliments des menus quotidiens. Puis on en a fait sortir vraiment toute une analyse d'ethno-sémantique. C'est de voir quels sont les symboles forts associés à différents aliments. Qui fait que les hommes ou les femmes ou les jeunes, les vieux, en mangent plus ou en mangent moins ou s'interdisent même d'en manger. Là, on n'est pas dans un symbole religieux, on est vraiment juste dans la connotation sexuelle ou de classe sociale de certains aliments. Alors, c'est ça. Donc, c'est tout. Bon, y a d'autres projets sur lesquels je vais revenir.